Ça nous a pris au moins une heure, là, c'est vraiment dans le secteur. Oui, j'aurais besoin de toi. On a eu un accident, on est en ici. On est à Mont-Saint-Pierre, dans la petite ville. Oui, alors, on va avoir besoin d'assistance médicale, d'urgence. On est en train de vivre un moment complètement fou dans le monde du ski. Les gens sont en train de quitter les centres de ski pour aller profiter de la neige naturelle dans leur piste. Les gens au Québec aiment skier. C'était juste une question de temps qu'ils découvrent le potentiel qu'on avait dans nos montagnes. Maintenant, ça explose. C'est plus juste la Gaspésie, c'est dans les Monts-Grous, il y en a au Saguenay, il y en a dans les Boisés, en Estrie, dans toutes les régions du Québec. Les gens, ils cherchent des endroits pour skier. Le nouvel or blanc, c'est la neige. Il faut venir nous aider, là. Il faut évacuer, on a un blessé. OK, on vient enfin d'arriver au spot. Oh yeah! Un gros coup de chien de char, 5h, on est capable. On a ça, une première soin? Ouais, moi j'ai ça dans mon sac. Bon, comme capitaine sécurité. Ouais, ah, toujours pareil, hein, notre mari. Ça va peut-être être rien qu'une run à soir parce que là, on commence à manquer de temps. Là. Yeah! Yeah! Oui, let's go! Yeah! Le genre de blessure qu'on va aller couvrir en ski hors-piste, trauma crânien, fracture des côtes, où tu vas avoir un pneumothorax, fracture du fémur, parce qu'il y a beaucoup de perte de sang, puis en plus, ce qui nous guette tout le temps, nous les sauveteurs, c'est de protéger ces gens-là contre l'hypothermie. Souvent, on part pour une journée à côté de la maison. Puis c'est notre terrain connu, puis on se sent très en sécurité. T'sais, on n'a pas besoin d'être à 15 km dans le bois. Là. On peut cogner un arbre, s'assommer à 1 km du parking, puis coucher là. Là. Tu n'as pas le choix de développer tes connaissances pour être autonome le plus possible. Il faut partir avec un sac à dos qui va contenir les choses pour être capable de passer une nuit en forêt. Les moments les plus durs une nuit en forêt, c'est entre 4 et 6 du matin. Là. C'est très difficile. Si vous avez un feu, ça fait toute la différence. Fait qu'en 2005, moi et Mathieu, on est venus en Gaspésie pour prendre un cours pour venir travailler ici. Puis Guillaume m'a fait découvrir les Chic-Chocs. On revenait d'un séjour dans le coin du Mont-Logan. Ça y est, on vient d'arriver au parc de la Gaspésie. Ça va être carrément tout un trip. Ah bon, on s'arrête pour monter Logan, mais sacrément, checker ça! C'est ça la randonnée. Des fois tu peux y aller, des fois tu peux pas. On est des bons garçons sécuritaires. On avait les jambes, on était crinqués, puis il venait de tomber une bonne bordée de neige. Là, on revient à Gaspé, il tombe un 30 cm de neige encore. Alors là, on va en profiter au maximum. On prend une petite journée de congé, puis on revient sur le terrain le 15 avril. Gros soleil, c'était une journée merveilleuse. On a monté tranquillo, puis rien de particulièrement différent des autres journées. Là. Juste gros sourire en face. Puis rendu en haut pour rencontrer d'autres skieurs. Retour à Chic-Choc, maintenant à Oxbach. On va descendre de ce côté-là. Non, on va vous remontrer des images. Ce sera pas trop long. Puis eux autres, ils étaient avant nous, fait qu'on leur demandait ils allaient où, ils allaient vers la droite ou le centre. Fait que nous, on a décidé d'emprunter le couloir qui était le plus à gauche. Guillaume avait les honneurs d'y aller en premier. Il est tombé 30 cm de neige, qu'on s'attend à ce qu'il y ait de la neige, mais pas du tout. Là. Moi, je prends juste de la grosse glace. Là. C'était de la grosse croûte, on l'entendait. Là. Puis je m'arrête pour filmer Mathieu. C'est un couloir qu'on avait déjà skié, puis habituellement, il y avait un peu plus de neige à gauche. Puis là, je vois Mathieu décoller, puis lui, comme de fait, il se dit « je prendrai pas la même ligne, ça n'a pas l'air super où j'ai passé ». Rendu peut-être dans 5-10 cm de neige, après 2-3 tournants, là, tout a lâché. Mais moi, j'ai pas vu l'ampleur de l'avalanche, mais moi, j'ai juste vu en dessous de moi puis devant moi que ça venait de lâcher. J'ai essayé de tourner, mais j'avais aucun contrôle, là. C'était comme être sur un tapis d'air. Puis là, ça découlait, ça coulait, ça coulait. Les secondes sont tellement longues à ce moment-là. Regarde.
shit. Ta gueule. Ta gueule. J'ai commencé à prendre plus de vitesse, à prendre des genres de sauts. Là, j'atterrissais sur mon dos, j'entendais des craquements. J'étais pas certain si c'était mes raquettes ou c'était moi. Puis tout d'un coup, ben tout s'est arrêté. Pour moi, c'était la main. C'était la seconde après que j'ai ouvert mes yeux puis j'ai commencé à crier puis d'appeler Guillaume. Ça se peut pas. C'est impossible. C'est pas vrai, là. Qu'est-ce que je fais, là? Pas de DVA, pas rien. Il y avait de la neige sur des centaines de mètres. Puis, tu sais, je cherche. Je vois rien. J'ai pas les outils pour le trouver. C'est pas vrai, man. Je vais pas perdre un chum, tu sais, aujourd'hui, là. Les couloirs sur la montagne du Hawksback ont été produits maintenant, sont skiables à cause qu'il y a eu un historique de grosses avalanches. Je pense qu'on les sous-estime parfois. Il y a plusieurs personnes qui viennent ici, peut-être pas en connaissance de cause, de les conséquences si on se fait prendre par une avalanche dans ces couloirs-là. Si une pente est suffisamment ouverte, donc dégagée entre les arbres, et inclinée pour que ce soit agréable à skier, c'est potentiellement une pente à risque. Il faut garder en tête aussi que peu importe où est-ce qu'on est, si on a toutes les caractéristiques de terrain plus la neige instable, il peut y avoir une avalanche, que ce soit dans le Saguenay ou dans le nord du Québec. On a un kit de premiers soins pour les premiers soins physiques, mais notre kit de premiers soins pour avalanche, bien, c'est pelle, sonde, DVA. C'est un incontournable. Vic! Vic! Dude! Oh, ma tête! Yo, man, ça va? Yo. T'as piqué une fouille? Oh! Oh! Okay. Ah, comment? Okay. Non. Mario, j'ai pas de réseau ici. Ça a pas une popante, vous allez voir. Rappelles-tu, on est où? Non. Dépêche-toi, man! Je pense que c'est plusieurs facteurs qui m'ont amené à ma chute. Là. Je pense que ça peut être autant les conditions, mon type de riding, comment j'ai atterri. C'est ça, c'est tellement comme banal. Je veux dire, un accident, c'est un accident. Si je ne pouvais pas le prévoir, tu sais, c'était comme... Comment je peux dire ça? Ça a été random, comme tu dis. Hein, ça a été random. Là. La manière que tu tombes, puis c'est déjà fait. Là. Le mal est fait. Là. Ouais. J'ai eu mon accident le 16 janvier 2019. Ça s'est passé au Mont-Édouard, dans la Haute-Route. J'étais en tournage avec Dylan Page, justement. C'est lui qui filme en arrière aujourd'hui. Puis il y avait Gabriel puis Daphné. Toi, Yannick, des espérances, des rêves? J'ai mes rêves, faire des beaux slashs aujourd'hui. S'aligner à faire un beau shooting, puis ça virait sur une scène, je pourrais dire. Vas-y, Yannick, je te suis. T'es en pause dîner, puis là, on s'alignait, on se préparait pour sortir. La température était changeante. On va aller rider ça, malgré le vent. Les deux autres descendent avant moi, puis je m'enligne pour faire la line vers la droite. Puis je fais comme un petit cliff, juste popper un peu pour lander, genre d'un petit saut. Puis... Finalement, j'ai cut un edge, puis j'ai glissé vers le dos, puis j'ai arrêté sur un arbre direct. J'ai eu un petit blackout d'une seconde, puis quand j'ai ouvert les yeux, ils m'ont dit « Yann, ça va? » J'ai dit « Oui, mais je sens plus mes membres. » Fait que là, ça a été la révélation que c'était grave, là, ma situation. Ouais. Oh, come on! Fuck, come on! C'est genre 45 minutes. Oh yes! Yes. Il faut venir nous aider là. Il faut évacuer, on a un blessé. Ah putain. Oh shit!
Ta gueule! Ta gueule! Je sais pas exactement si c'est petit, là, mais j'étais juste entouré d'arbres, à peu près cette grosseur-là. Là, je criais, il y avait rien, tout en capotant qu'il y a une autre avalanche qui me tombe sur la tête. Mais là, je criais, j'avais aucune réponse. Fait que la deuxième pensée, c'était « OK, Guillaume s'est fait prendre ». J'ai jamais pensé à chercher dans le bois, moi je cherchais dans la piste. Mais j'étais à peu près pogné de main, mon bras sortait de la neige, puis j'avais pu déterrer mon visage. Puis j'avais une belle vue au ciel à peu près comme maintenant, là. J'avais pas d'indice, j'avais rien, j'avais pas d'outils. Fait que je suis allé chercher de l'aide. Moi, j'avais l'impression de le choquer en m'en allant, là. Fait que, tu sais, j'étais complètement déchiré. Tu redoubles d'efforts pour essayer de te déterrer. Puis là, il vient un point, t'es là, pff, je peux plus crier, là. Ou... C'est quand même une belle vue, mais je peux pas oublier de rester là. Fait que je suis sorti, j'ai pris le couloir, je me suis ramassé ici sur le bord de la route pour qu'il mène jusqu'au gîte du Mont-Albert. J'ai été chanceux, il y a quelqu'un qui a arrêté très rapidement. C'est là qu'on est allé chercher des secours. Tu souhaites juste entendre une voix humaine, là? On a monté, puis là, tout le monde avait des walkie-talkies, des équipements d'avalanche. Tu sais, après 2 heures, moi, c'est qui paraissait... Je sais pas, des semaines. C'est là que j'ai entendu crier, ah, je l'ai trouvé. Je lui ai dit, sors-moi d'ici, là. Ben voyons donc, il est en vie après tout ça. Ça a pris quelques secondes après ça, puis là, j'ai perdu connaissance. Puis mon dernier souvenir après, c'est de me réveiller à l'hôpital. Bon, Matt, hein, c'est la corniche, on va te rejoindre à l'hôpital bien vite. C'est ça, même, qui s'est passé. Il y avait 7 côtes de pété, 1,5 litre de sang dans les poumons, puis il était à 30 degrés, 29 degrés. Là. Fait que c'était vraiment limite. C'était peut-être pas la meilleure décision de partir, tout ça, mais c'était pas si pire. On l'a sorti de là, mais tu sais, il faut pas se rendre jusque-là. T'sais, on a des outils pour pas que ça arrive. Désolé, mon gars, j'ai peur de te perdre, man. C'est que c'est passé, mon gars. On va avoir des arvols le prochain coup, en tout cas. Malin. Quand on est dans leur piste, on fait face à des dangers multiples, dont les avalanches, le froid, l'éloignement. Tu peux te perdre, c'est du hors-piste. C'est carrément un autre monde. C'est un peu de se mettre la tête dans le sable, de penser que ça nous arrivera jamais. Tu sais, même en tant qu'expert, vu que je passe plus de temps en montagne, les proportions pour moi sont plus élevées de me faire prendre dans un accident, même si j'ai plein d'expérience. Donc, en quelque part, on est tous face à ça. Il faut s'entourer de monde qui vont être capables de s'occuper de nous, puis que nous, on va être capables de s'occuper d'eux. Une heure, c'est parti. Oui, là. Non! On ah descend, ouais, mon homme. J'ai fait. Marie! Victor! On va te sortir d'ici, OK? Ah! Ah! Ce jour-là, on était en tournage. Yannick, d'habitude, est derrière la caméra. Cette fois-ci, on lui avait demandé d'être devant la caméra. Yes, bon Edouard. Je me souviens, cette journée-là, que la dernière run, moi, elle me tentait pas trop. Mais tu sais, je voulais rester avec le groupe, fait que j'ai décidé d'y aller. 3, 2, 1. Online. Hey Yannick, le petit saut, vas-y. Il cote un edge, il a glissé. Il s'est frappé contre un arbre au niveau du cou. Quand j'ai réalisé que je bougeais plus mes membres, ça a été comme... OK, là, c'est sérieux. On a un cas de colonne, live. C'est l'hiver, il fait pas super beau. T'sais, ils m'ont pris en charge assez rapidement. Je me suis mis en mode travail. Je suis patrouilleur de ski depuis 5 ans. J'ai pris la tête, puis je savais qu'à partir de là, ben, je le lâchais plus. Je me souviens d'avoir promis à Yannick que j'allais m'occuper de lui comme si je m'occupais en fait de mes propres enfants. Pendant ce temps-là, il y avait Gab que lui, il est allé en haut chercher le traîneau. Gab a eu le réflexe de sortir les doudounes chaudes des sacs pour essayer de couvrir Yannick le plus possible pour pas qu'il perde sa chaleur. Du moment que tu es dans une situation comme ça, tu réalises rapidement que tu veux de l'aide. Quand quelqu'un m'a répondu « patrouille du Mont-Édouard », ça m'a vraiment rassuré à ce moment-là. Mais le froid s'en venait, la noirceur s'en venait. Les conséquences d'attendre trop longtemps, évidemment, bien, ça aurait pu être l'hypothermie. Et un état de choc qui le guettait inévitablement. Là. On savait qu'on avait les habiletés puis les connaissances pour prendre en charge la situation de façon adéquate également. Fait qu'on décide de le bouger. On est les mieux placés pour le faire à ce moment-là. T'sais. On l'a immobilisé là, sur la planche dorsale. S'ils ont pris les précautions,
malgré qu'ils savaient déjà que c'était une blessure cervicale. On a commencé à descendre le traîneau. L'équipe de patrouille est arrivée. En tout moment, il n'a pas perdu son calme. J'ai focusé sur l'énergie à survivre puis à passer à travers le temps parce que je savais qu'on était vraiment d'un milieu éloigné. Quand on a réussi à sortir la civière, le traîneau, finalement, bien, il y avait déjà là, le skidoo, la motoneige ambulance. Je me souviens de m'être dit que c'est tellement important d'être bien entouré dans ces situations-là parce que tu sais jamais quand tu vas avoir besoin de l'expertise de tes amis, collègues ou même un inconnu. Là. Allez! Charles! Hey, t'es où? Il a fallu que je monte genre full haut pour pogner du signal. Puis après ça, je vous ai cherché partout. Mais pas attendu! Viens, man, ça va-tu? Tiens bon, man! Allez, faut qu'on se brouille ici. 1, 2, 3. Ça va vraiment pas, man. Il a vraiment pas l'air de filer. On va juste garder notre sang-froid. Man, Vic, tu es encore avec nous, vieux? Ben, ça a vraiment pas l'air de filer, là. Ben, faut que quelqu'un nous aide, là. Ça marche pas, man. C'est certain que j'avais hâte un jour de revenir skier la montagne, mais j'étais pas pressé, là. Ça va, les boys? Ouais. Sur le butin d'avalanche, il parlait d'accumulation de plaques à vent dans les zones de départ. Donc, tu sais, les vents dominants hier, ça s'en venait dans l'arrière là-bas, fait que c'est venu tout charger le haut de la face ici, là. Le fait que je vois des traces plus bas que ça a été skié, je vis ce que plusieurs personnes vont vivre face à ça. C'est que je me remets en question. Ça veut pas dire que moi, je tournerai pas une place qui va être beaucoup plus sensible et que je vais faire déclencher tout le haut de la face ici. Mais il faut quand même que je garde en tête que le problème d'avalanche, il est exactement où est-ce qu'on se trouve en ce moment. Tu sais, je réalise que les gars, ils ont réellement été chanceux. Tu sais, Mathieu, il a pris une très bonne ride. T'sais, les gars n'avaient pas de DVA Pelson, mais on est qui pour les blâmer sur comment ça se passait il y a 17 ans? T'étais tout seul ici en montagne. Maintenant, je ne crois plus que c'est justifiable d'être dans un type de terrain comme ça sans avoir les connaissances et l'équipement nécessaires pour pouvoir sauver ses amis. Je me dis, j'ai encore des milliers de bonnes descentes à faire. Je vais revenir ici quand les conditions vont être optimales pour ça puis quand ça va se prêter à ça, tout simplement. Ça va? Ouais. Vous prenez? Ouais, ben. On s'était pas fixé l'objectif de le faire à tout prix, puis je suis bien confortable avec ça. Oui, on aurait sûrement pris la décision de descendre là dans le temps. Ah, ben d'accord. Mais c'est... Bon, on n'a pas les connaissances, ouais. C'est ça, tu sais. On n'était pas prêt à ce scénario-là. On était clairement pas prêt, puis ça aurait coûté cher, man. Pas assez proche. Non, mais il n'y a plus de chemin, là! J'aboute! C'est sûr qu'on passe pas la nuit ici, là. Tu veux-tu passer la nuit ici? Charles, check! 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 Check la lumière! Hey! Ici! Vic! T'es là, man. Ici! On sort. Hey! J'ai eu une fracture avec une luxation de la colonne cervicale au niveau de la vertèbre C6, ce qui m'a amené à une tétraplégie au début. Je bougeais pas vraiment mes membres. Quand j'ai eu mon accident, j'ai recommencé à zéro à marcher. Là. C'était tellement compliqué de dire « OK, il faut que j'avance. » Mon pied gauche, ma jambe droite. 25 mètres! T'es tout déprogrammé, dans le fond. C'était un long processus de pouvoir marcher. Finalement, je suis revenu chez nous. Ça a pris un stress de 6 mois avant que je revienne parce que c'était beaucoup de travail de réadaptation. Puis je viens de survivre de quoi de gros, puis c'est quoi l'après? D'avoir eu la motivation de revenir sur une planche, un passeur, justement, ça m'a comme enlevé mes barrières, mes craintes, ça m'a comme libéré de pouvoir sentir la sensation de glisse, puis d'enlever le stress que j'avais eu post-traumatique de mon accident.
ça m'a comme enlevé une charge des épaules de dire « OK, j'ai passé à travers de quoi qui était gros, puis là, d'être sur un board, de dire « OK, je vais faire une descente, puis que je suis debout, si je retombe dans mon esprit d'aventure que j'ai retrouvé avant, autant qu'en speedboard. » Le backcountry, ça peut apporter vraiment des bienfaits, autant mental que physique. Faut que tu sois préparé, mais si les éléments sont bien enclenchés, tu peux avoir du gros fun. Là. Le passeau, dans le fond, c'est une planche qui n'a pas de fixation. C'est comme un surf, là, dans le fond, sur les neiges. J'ai vraiment le feeling de flotter, de glisser. T'es pas attaché, fait que moi, avec mon accident, je peux me garocher à terre. C'est sûr que je fais plus autant des lines que je ferais en snow comme avant, mais tu sais, de pouvoir en faire avec des amis, peu importe, de glisser, c'est de prendre de l'air, puis ça permet juste un petit dénivelé, une petite courbe, puis ça fait mon bonheur. C'est tellement nice. Que je dis tout le temps. Vous partez d'un centre de ski, vous allez dans un secteur qui va être plus hors-piste. Allez-y avec des gens qui connaissent le terrain au départ. N'ayez pas peur de bien vous encadrer, de vous informer. Ça demande une certaine préparation, mais le ski est tellement plus beau. Le plus grand risque dans la vie, c'est de ne pas prendre de risques. Fait que, t'sais, faut en prendre, mais en prendre des bons. Fait que, t'sais, c'est clair que ça prend obligatoirement l'équipement, les cours, les connaissances, l'expérience, t'sais, pour aller dans des terrains de plus en plus engageants. Ne pas hésiter à y aller graduellement et surtout à prendre l'expérience avec des mentors. Tu dois respecter le terrain puis agir en conséquence. Il n'est jamais trop tard pour décider de rebrousser chemin et de revoir ses objectifs. Une bonne communication, un sel, puis d'avoir des bons chums en plein air qui savent pas faire, c'est vraiment la clé, je pense. Et surtout, laisser l'orgueil de côté des fois, là, puis de dire « je veux skier le reste de ma vie » et non vivre seulement pour cette descente-là. Hey! Ouais! Ça fait un an que j'ai eu mon accident ici. J'ai rétabli mon genou, ma tête va beaucoup mieux. Ah, oui. Mais je dois dire, je serais jamais sorti d'ici sans mes amis. Oh, trop merci. Content que tu sois de retour, man! All right, allons shredder! Oh, grosse poudre! Il y a quelque chose de magique avec le ski. C'est un sentiment dur à décrire, mais c'est tellement enivrant, c'est la liberté. C'est un beau gros buzz, c'est de la grosse drogue. La meilleure poudre qu'on peut pas trouver, là, c'est celle-là. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la neige. Juste tomber dans la neige folle, de faire les premières traces, on est tout le temps à l'affût d'une nouvelle trace, d'un nouveau secteur. Il y en a que c'est l'été, moi c'est l'hiver. Je carbure à ça. Pour moi maintenant, c'est plus de skier la descente qui va me donner le plus d'adrénaline, c'est de vivre une expérience globale. Je désire aller où est-ce que tout le monde ne va pas, vivre une certaine zénitude. C'est ça que ça représente pour moi le ski maintenant.